Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un haul Shein. Donc c'est une collaboration avec Shein. Donc je vous mets le code promo juste ici qui est SSummerISA. Donc il vous fera bénéficier de moins 15% pour tout achat sur le site Shein. Peu importe le montant d'achat. Donc nous, là, c'est une collaboration spéciale pour la maison. Donc on a eu droit à 5 articles au choix. Donc on va pouvoir déballer ça tout de suite. Oui, alors, je vais commencer par un rouleau. Donc là, on a pris un rouleau adhésif. Vous savez, c'est pour protéger tout ce qui est plan de travail, mur, etc. Donc ça empêche les rayures, l'humidité d'abîmer les meubles. Ça résiste à la chaleur aussi. Est-ce que tu crois que ça pourrait fonctionner autour de magasiniers? Oui, c'est ça. Enfin, c'est autour de la plaque. Ça, ouais, c'est pour ça que je l'ai pris en fait. C'est pour recouvrir entièrement le mur et tout, pour éviter que... Et ça pourrait fonctionner, vraiment? Oui, vraiment. Ça, ah oui, ça tient bien, ça colle bien. Hein. Ah ouais? Oui, il est suffisamment épais. Je vais voir si je peux vous le déballer. Là, on a un petit tuto. Bon, peut-être pour le plan de travail ou sur ma table. Oui. Parce qu'il y a eu un dégât hier. Hier, il y a eu un dégât. La table a pris un coup de couteau. C'est ça. C'est ça. Donc, on n'aura pas le coupable. Hein, non. Toujours. Non. On n'aura pas le coupable du coup de couteau. Est-ce que j'ai les dimensions sur la table? Alors, j'ai pas les dimensions. Je vous mettrai les dimensions à l'écran. Alors, je vais vous montrer. Et c'est quand même assez épais, regardez. Tu vois? Ah oui, c'est quand même épais. C'est quand même épais. Vous voyez, ça ressemble un peu à du papier, comme pour recouvrir les cahiers, mais beaucoup plus épais en fait. D'accord. Ça doit se dédoubler et, et il faut enlever, il faut éviter que ça bulle. Voilà, c'est ça. Vous tenter, ça, c'est peut-être une bonne idée. Hein. Donc voilà, moi j'ai pris transparent et sur le site vous l'avez de différentes coloris. Hein. Mais moi je préférais du transparent, je me suis dit que ça passe partout. Ouais, t'as raison. Ça peut être une très bonne idée. En tout cas, je vais essayer ça, je vous donnerai un retour de ce produit. Parce que j'en avais besoin et puis voilà. Alors, ensuite, un gant. Donc on a pris, normalement on appelle ça une manique, si je ne me trompe pas. Ouais, une manique. Donc un gant de cuisine. Hein, un gant de cuisine pour ne pas se brûler. Vous voyez, il est molletonné dedans. Il est molletonné et vous enfilez votre main. Donc moi j'en ai pris qu'un seul. Après je sais qu'il y a différentes couleurs sur c'est le plastique, site. Comme du plastique, oui, mais ça doit tenir la chaleur, hein. Oui, ça tient, ça résiste à la chaleur. Je me suis dit tiens, plastifié, c'est mieux que du tissu comme ça parce que nous on avait entièrement tissu. Bah ça s'est abîmé. Ah, ça s'est abîmé. Ça s'est vraiment abîmé. Puis après ça s'était affiné et puis. Ça tenait plus la, plus la grosse chaleur. Donc, attends, j'en ai besoin, je vais le dire. Oh, si, ça va tenir, c'est épais hein, dedans. Oui, c'est épais. Est-ce que je peux retourner? Non, je ne peux pas retourner le truc, mais en tout cas, la doublure va aller comme ça. Donc, c'est suffisamment épais. Donc, normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Puis là, on a. Vous pouvez l'accrocher? Pour l'accrocher. C'est une bonne idée, ça. Voilà, il y avait différentes couleurs sur le site. Moi, j'ai pris cette couleur-là. Oui, voilà. C'est une bonne couleur, ça. Après, moi, j'en ai pris qu'un seul. J'aurais dû peut-être en prendre deux. En lot de deux, tu vois. Parce qu'il y avait en un seul et en lot de deux. Bon, c'est pas grave, ce sera pour une prochaine. Oui. En tout cas, ça c'est bien. On va prendre la bête. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, ça, ah, oui. C'est pour le papier toilette. Ouais, le papier toilette, ouais. Voilà. Donc, c'est adhésif. Ouais, moi je pensais que c'était pour. Peut-être qu'on pouvait le. Comment on appelle ça? Le visser au mur. Mais non, c'est adhésif. Voilà. C'est jamais... Ça, c'est, ça colle au mur comme ça. Ça devrait tenir. Hop. Et puis là, vous mettez le papier toilette. Tout simplement. C'est en plastique. Hein. Voilà. Voilà. Il y avait du blanc et du noir. Moi, je préférais le prendre en blanc. Oui. Enfin, toi, tu m'as dit prendre du blanc. C'est mieux. Oui, c'est pratique. Et puis, on verra bien si ça tient bien au mur. Oui, voilà. Donc, ça, c'est tout ce qu'on a pris. Parce que quand on a déménagé, pour ceux qui suivent, il y a des trucs qu'on n'a pas emmenés, donc ça, comme ça, ça pouvait remplacer facilement ce qu'on n'a pas emmené. J'en avais un, mais il était très abîmé. Très abîmé. Là. Donc ça, c'est bien, au moins ça va nous servir. On n'a pris que les choses utiles. Oui. Alors, tiens, ça c'est ce que mon mari il avait cassé.
C'est une pince pour faire des trous dans la ceinture, c'est ça, hein? Oui, c'est pour faire des trous. Alors, on peut faire, attends. Je vais vous dire qu'est-ce qu'on peut faire. Bah si, que des trous, normal. Ben oui, mais des fois, on ne fait pas que des trous dans une ceinture. Ah non, pas obligé que ce soit que dans une ceinture. Moi, je donne un exemple pour une ceinture, quoi. Oui. Je vais voir qu'est-ce qui est marqué. Non, c'est marqué en anglais. Non, c'est pas marqué en français. Ouais, c'est marqué en anglais. Ou... ouais, c'est marqué en anglais. En tout cas, moi, j'ai pris ça. C'est parce que j'avais une ceinture, ouais, j'avais fait un trou et ça allait pas. Ici, vous mettez votre ceinture pour faire le trou. Oui. Voilà. Et puis hop, pressez, ça fait le trou tout simplement avec ça. Il ne faut pas le laisser à ton père. Ah bah parce non, que sinon, ça. tu pourras plus rien faire. C'est ça. On n'a pas une ceinture pour faire un essai Une ceinture. Après une ceinture? Non. Bah, je vais utiliser le petit bout de. Ouais, de voilà. Essaye de carton. Faire un trou. Hop. Ouais, ça fait trop bien le trou. Ah ouais? Regardez, le petit trou là. Ça fait en une fois, franchement, sans forcer. Bien, hein? Ouais, c'est trop bien. Ah, il y a un petit truc qui est dedans. Hop. Il faudra que je l'enlève après. Ouais, tu peux le récupérer avec une petite aiguille. Ouais. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a ça. Et c'est le dernier article. C'est le dernier article. Alors, donc, c'est une... c'est des... Comment on appelle ça? Des cubes. Ah oui, les cubes. Vous savez, les cubes en tissu. On peut en monter un, peut-être, non? Ouais, je vais en monter un tout de suite. Les cubes en tissu pour... Vous savez, des meubles casiers. Ouais, oui, c'est ça. Des meubles casiers. Et puis, c'est pour combler les trous voilà. Du meuble. Moi, ce que je vais prendre, c'est un... Ça s'appelle un banc. Un banc de TV. Et ça, je pense que peut-être que ça irait. Suivant les casiers, parce que dans un banc TV, il y a 4 cases. Oui, c'est ça. Normalement, je n'avais pas pris pour ça. J'avais pris pour un autre meuble. Mais on verra bien. Ah, ça, c'est le fond, apparemment. Donc, il y en a 3. Il y en a 3. C'est un lot de 3. Moi, j'ai pris qu'un lot de 3. Voilà, donc c'est ici. On va le monter. Je vais en monter un. Alors, ça se monte vite fait, ça. Ouais. Alors. Ah, il est suffisamment grand. Je vous mettrai les dimensions à l'écran. Ouais. Et après, on met le fond. Après, tu mets ça. Là, pour que ça tienne rigide. Pour que ça s'écroule. Voilà. Voilà, et c'est profond. Alors ça, vous pouvez l'utiliser aussi pour la salle de bain, hein, pour mettre vos serviettes de bain. La salle de bain ou si tu as un meuble. Si un petit meuble. Pour séparer deux pièces, par exemple. Bah, ça, tu sais, quand ça fait les trous, bah, ça, tu recouvres les trous. Oui, ça peut être aussi ça. Donc là, on a une petite poignée pour facilement tirer quand on a besoin de prendre. Non, franchement, il est suffisamment spacieux et grand. Oui, il est assez profond. Après, voilà, il y avait plusieurs coloris et dimensions sur le site. Moi, j'ai pris une dimension qui peut aller dans le meuble. Ouais. Je me suis basée aux dimensions du meuble, tout simplement. Voilà, donc j'ai pris du standard. Ouais. Après, il y avait plus petit ou plus grand, mais voilà, moi j'ai pris la taille entre deux. Ben, ça m'a l'air bien ça. Et plusieurs coloris. Voilà, moi j'ai pris beige, parce que tu m'as dit du beige ou du blanc. Oui, ça va. Mais après, il y avait du gris, il y avait d'autres couleurs, il y avait du... Moi j'ai dit, ça va aller cette couleur. Oui, ça, je me suis dit, ça c'est parfait. Pour la couleur... Vous voyez, comme pour démonter tout ça, hop, c'est plié. Vous repliez, voilà. Et voilà, tout simplement. Ça se range facilement dans le placard. Ça ne prend pas de place. Ouais, ça prend pas de place, on les minimise. On va minimiser les choses. Ouais, donc, ben, c'est tout ce qu'on a pris chez Chine. Hein. Voilà. Et puis, ben, je vous mets encore le code ici, si vous souhaitez commander quelques petits articles sur Shein. Et puis je vous mets tous les liens en barre d'information de ce qu'on a pris comme article. Ouais. Donc voilà. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Je donnerai un retour sur l'autocollant, on pourrait dire comme oui, ça. Oui, voilà, c'est ça. Le film autocollant. Je donnerai un retour et bon, il faudra peut-être quelques jours d'essai quand même. Hein. Oui, voilà, voir si ça tient bien dans le temps. Ouais. Ça m'a l'air épais. Oui, c'est donc très je épais. Pense que ça va tenir. Hein. Oui. Je pense que ça va tenir. Et puis, bon, bah, sur ce, bah, j'espère que vous avez passé une très bonne journée.
Vous allez passer une très bonne journée. Aujourd'hui, on a du grand soleil, il fait chaud. Il fait beau et on attendait un peu de pluie, mais il n'y a pas eu de pluie. Donc, on va profiter et puis on a plein de choses encore à arranger. Hein. Moi, je vous souhaite une belle journée. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Gros bisous. Gros bisous à vous tous.